Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 13 février 2023. C'est parti pour une vidéo à Lidl de Choisy-le-Roi. Allez, c'est parti, on va commencer par côté cuisine. On avait commencé par la couture. Alors comme tous les lundis maintenant, c'est une habitude, je lirai vos commentaires en fin de vidéo et puis je répondrai soit à vos questions, soit si vous avez juste envie de faire un coucou, je lirai le message. Cuiseur vapeur de la marque Russell Hub avec 3 paniers vapeur, 9 litres capacité, 9 litres. Donc on peut cuire légumes, poissons, viande pour une cuisson saine à la vapeur, 27,99 €. Sont moins saines. La friteuse, 49,99 €. J'ai cuisson moins saine, mais vous savez, hein, moi par exemple pour les frites, j'aime bien les frites dans de l'huile. Je suis pas du tout fan des frites au four ou d'autres cuissons de frites. Moi j'aime les frites pleines d'huile. Bah, c'est comme ça, c'est un choix. Pareil, hein, la friteuse, je m'en sers aussi quand je fais des pommes de terre au four ou des pommes de terre au four. Je les cuis d'abord à la friteuse, puis après je les mets au four. Alors bien évidemment je pourrais quand même peut-être les cuire à la vapeur avant, mais je préfère quand elles sont un peu croustillantes. Voilà, donc 49,99 €. Donc il y a deux paniers d'environ 1,4 litres pour 400 g de frites et un grand panier, je crois que c'est 850 g de frites. Donc il y a le grand panier et puis les deux paniers. 49,99 €. Le mitigeur de cuisine avec la... Ah non, celui-là c'est avec le robinet, j'allais vous dire une bêtise. J'ai ultra large pour laver les aliments délicats, rincer les plaques de cuisson. Alors j'étais en train de regarder qu'est-ce qu'il avait de particulier, j'arrivais pas à trouver, je comprenais pas le dessin. Alors je viens de comprendre, hop, on revient sur la grande image. Et en fait il y a un jet d'eau là, c'est rigolo ça. Voilà. Et alors il y a un autre modèle, c'est celui-là, c'est le mitigeur à capteur, donc il va capter les mouvements et puis eau ou pas eau selon ce qu'on va présenter devant ou les mains, quand on se lave les mains, il va s'allumer automatiquement. 59,99 €. Cafetière ou gobelet, 13,99 €. Donc les cafetières à piston, on va mettre du café moulu, de l'eau et on va presser pour obtenir du café. Donc il y a 1 litre et ça 350 ml, 3 tasses et 8 tasses. Alors, je vois 13,99 € et le gobelet de voyage c'est celui-là. Donc mug de voyage thermique, c'est bien pour ceux qui font de la route ou pas. Hein. 13,99 €. Si on est dans un endroit où on ne peut pas forcément avoir du café ou réchauffer son café. Les couvercles anti-projection, donc les deux pour 4,99 €. Donc on a les couvercles anti-projection. Alors quoi ça sert ça? Parce qu'il y a le couvercle, vous allez me dire, il y a le couvercle basique. Mais en fait ça c'est si vous ne voulez pas cuire fermé, si vous voulez pas, comment on appelle ça, mettre un couvercle, vous voulez quand même que la vapeur s'évapore. Eh bien, il y a ça, parce que vous allez empêcher les projections, mais en même temps, votre, si vous avez envie, par exemple, de réduire, ça va réduire. Ou l'inverse. L'entonnoir en acier inoxydable. Et on a aussi le panier vapeur en acier inoxydable. Alors ça, c'est si vous n'avez pas d'appareil à vapeur, justement, ou autre, vous pouvez l'utiliser sur une casserole. Voilà, comme ça. Comme ça, vous allez avoir votre cuisson vapeur. Les ustensiles de cuisine, 3,49 €. Écrasé de pommes de terre. Ça aussi, hein, essayez, parce que si vous aimez la purée, vous avez, parce qu'on a tendance à penser que c'est la même chose, pas du tout. En fait, un écrasé de pommes de terre, contrairement à la purée, vous allez avoir des morceaux de pommes de terre et c'est vraiment très bon. Et c'est super simple à faire. On cuit ses pommes de terre à la vapeur et puis on va venir les écraser. Avec ça, les cuillères, je crois qu'on avait aussi une louche, les couvercles en silicone, 3,99 €, donc on a les trois pièces, les carrés, enfin les rectangulaires, pardon, on a ceux-là, donc ceux-là hein, pour pamplemousse, oignons,
ou sur un verre. Des fois, on peut faire un jus ou se servir à un verre et puis ne pas le finir. Bah, du coup, il y a ça. Et il me semblait que j'avais vu un autre format. Non, mais alors, ces deux formats, il me semblait qu'on avait le format rond. Et ça, c'est très bien, hein, ça remplace le papier, le film alimentaire, si vous aviez des anciennes Charlotte. 3,99€. La machine sous vide, appareil mis sous vide, 27,99€. J'ai eu pas mal de commentaires dessus, parce que j'ai lu un petit peu les commentaires avant quand même. Et c'est ce que je disais, pour éviter le givre sur les aliments, c'est pas mal comme solution. Et puis comme je vous disais, ça maintient vraiment le même aspect, les mêmes, ça va garder la viande comme si on l'avait, qu'on venait de l'acheter. Et je disais, il y a aussi les deux tuyaux. Alors malheureusement, comme je disais, pour le moment, je n'ai pas encore vu les boîtes. Un rouleau. Alors comme je disais aussi hier, hein, moi j'en ai une. Je l'utilise quand j'achète de la viande, pas mal de viande. Parce que moi, quand je vais chez le boucher, j'aime bien acheter toute ma viande en même temps. De la viande hachée, rôtie, enfin toute la viande. J'aime bien toujours avoir de la viande dans mon congélateur. Et le fait d'utiliser ça, franchement, comme je disais, ça garde le même aspect, la viande, comment on dit ça, la viande est conservée telle qu'elle. Le seul petit souci, c'est que c'est assez long à faire. Donc moi, je fais des ateliers mis sous pli. Après, je dis ça, mais ça dépend de la quantité que vous avez. Mais il y a le rouleau, puis en fait, vous allez découper les rouleaux. Moi, je pensais la première fois que les rouleaux étaient déjà prédécoupés, pas du tout. Vous allez donc avoir besoin d'un ciseau. Et puis, enfin, moi, je fais comme ça, parce qu'il y a une autre méthode. Hein. Donc, je vais sceller, vous allez sceller un morceau, vous allez mettre votre viande. Et puis après, vous allez venir avec la machine enlever l'air et sceller. Mais après, du coup, vous pouvez aussi cuire. Il y a une façon de cuire qui est justement de cuire comme ça, mise sous vide. Il y a de la cuisine encore de l'autre côté, mais là, comme c'est de ce côté-là, le défroisseur à main, 21,99€, donc très pratique pour défroisser à la verticale. Alors cette fois-ci, on a deux couleurs, on a le noir et le blanc, 21,99€. On a les sacs pour tricot, 21,99€. Donc on a les petits trous là pour sortir le fil de laine. On a le rose et on a le gris. Les boîtes à de rangement, je veux dire à couture, mais non, pas forcément. 8,99€. On a je couds, je brode. Hop, si je le prends du bon côté. Livre de couture, 9,99€. On a un autre livre, l'atelier de couture. 9,99€. Les bobines de fil. 4,99€. Alors on a blanc, mais on a aussi noir et beige. Oh, je me demande, tiens, c'est du noir ou du vert. Il faudrait être la couleur. Non, c'est du kaki. Kaki et beige. Ensuite, on a la boîte d'accessoires comme ça, 8,99€. D'autres bobines, 8,99€ le lot. 8,99€. Les planches à repasser, 39,99€. Alors celle-ci, elle a une prise, comme ça, ça vous donne un peu plus de câbles, hein, voyez, hop, pour brancher votre fer à repasser, votre centrale vapeur. Le rasoir anti-bouloche, 5,99€. Et la machine à coudre, 89,99€. On a d'autres accessoires... fil à coudre, accessoires pour machine à coudre, il y a 66 pièces. On a les bobines de fil. Ah, il y a plusieurs couleurs. On a les canettes. Petite bobine comme ça. On continue. Ceux-là, on les a pas vus. On a ceux-là à 2,99€. Hop, les 10 bobines de fil blanc, noir et blanc. On a aussi de la couleur. Les aiguilles, alors c'est les aiguilles à main, hein, c'est pas les aiguilles pour la machine à coudre. Hein. Les élastiques, 7 de boutons pression avec pince, 8,99€. Ah voilà, il y avait ça aussi, les petits fils de coton, fils à crocheter. Ah, il me semblait que hier j'avais vu des aiguilles à tricoter. Je suis en train de me poser la question, je sais pas. Ah bah voilà. Hop, les aiguilles
à crocheter, le set de crochet. On a le sac pour machine à coudre. On a le gris, on a le petit pois et puis on en a un rose, enfin le anse rose avec des rayures grises. Le sac pareil pour tricot ou trolley machine à coudre, 21,99€. Je disais, je trouve que c'est plus pratique pour déplacer. Alors dedans il y a le sac à coudre, le sac pour tricot aussi. Ou c'est peut-être quelqu'un. Non, c'est quelqu'un, voilà, je me disais. C'est quelqu'un qui l'a mis pour voir si ça allait dedans. Mais je pense que si vous mettez ça dedans, il n'y aura plus de place pour la machine à coudre. On a d'autres accessoires à 1,99€. Avec les fermetures à glissière. Je vous laisse regarder les tailles. 30, 40 et 18. Le scratch. La bobine de fil. Le biais plié. 100% coton. Enfin, je sais pas ce que c'est le biais plié, j'étais en train de chercher, mais tiens, dites-moi en commentaire, les couturières là, et craie de tailleur. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses. Donc les bobines. Et alors ça c'est quoi? Je me demande si c'est pas le truc collant là. Si, c'est les thermocollants. Alors ça c'est génial ça. 1,99€ pour faire les ourlets, que ce soit des ourlets, bah là il montre une jupe, hein, que ce soit un ourlet de jean. Alors moi quand je fais sur des pantalons, je double. Jean, rideau, je vous parle souvent de faire des ourlets rideaux parce que c'est vrai que quand on achète un rideau trop long et qu'on n'a pas de machine à coudre pour faire l'ourlet, on peut le faire avec ça. 1,99€, donc c'est une bande thermocollant, donc vous allez mettre les deux tissus et avec la chaleur du fer à repasser, ça va faire une colle. Je sais pas s'ils sont en blanc, je vois pas, je vois que du noir. Pince à ourlet, tiens, bah justement, pour faire des ourlets de la même taille, ça c'est pas mal, tiens. En fait, c'est pour faire des ourlets de la même taille et qu'ils soient bien droits. Alors, c'est le genre d'accessoires, je me dis, ah tiens, parce que j'ai un ourlet à faire de rideau, mais en fait, c'est un truc que je vais utiliser une fois, donc je sais pas si c'est vraiment intéressant. Enfin, pour moi. Mais ça, ouais, c'est pas mal, hein. Thermocollant. Voilà. Le set de ciseaux, 2,99€. Et on repasse à la cuisine avec les faitous, 17,99€. Alors j'ai vu une personne repartir avec 3 faitous. Et donc pour la taquiner, je lui dis, ah bah ça va cuisiner. Et elle m'a dit oui, je suis en train de refaire ma cuisine. Donc elle en a pris 3. Après, c'est les mêmes litrages. Alors soit elle a besoin de 3 en même temps, soit c'est peut-être pour offrir ou donner ou je ne sais quoi. Peut-être pour elle. 5 litres, 24 cm, mais c'est vrai que cette gamme Ernesto, elle est pas mal. Hein. Tout feu, même induction. Ça, hier, je ne vous les ai pas présentés. Les planches à découper, il y a 3 pièces à 5,99€. Il y a ça, et puis il y a celle-ci, ce qui est un petit peu incurvé pour bien mettre les aliments, pour ne pas les mettre à côté. Les boîtes de rangement, 4,99€, elle fait 50 par 40 par 30. 48 litres. Il y a ça. Il y a ça. Ça, c'est pas mal parce que je vous dis toujours de mettre des paniers dans votre tiroir. Mais si vous avez ça, c'est pas mal puisqu'il y a déjà en fait les emplacements type panier. Et après, on a celle-ci. Le robot multifonction, 19,99€ au lieu de 24,99€. Le presse-agrumes, 21,99€. Alors celui-là, comme je le dis, hein, je l'ai à la maison, donc je peux vous en parler. Je l'ai acheté il y a peut-être moins de 6 mois, je crois que je l'ai acheté à la rentrée. Donc pour faire mes petits jus d'orange frais, alors j'en fais pas tous les jours. Mais c'est vrai que c'est pratique. Alors j'ai vu qu'il fallait à peu près 3 oranges pour faire un bon verre de jus d'orange. Pamplemousse, jus d'orange, citron. Le batteur, 16,99€. Donc on l'a en blanc et gris, donc il y a les crochets pétrins, les deux fouets, 300 watts, 5 vitesses. On l'a aussi en violet, c'est ouais, violet. Les boîtes de conservation, 7,99€. Donc je disais, c'est encore les dessins des fêtes de fin d'année. Les couteaux, 5,99€. Et j'oublie les rouleaux,
si vous en avez plus ou si vous voulez en prendre d'avance. Moi, je pense qu'il faut en prendre d'avance. 5,99€, soit les 3 petits, soit les 2 grands. Allez, on va passer à vos commentaires. Alors, je crois que j'en ai une vingtaine ou une trentaine. Alors, si je ne lis pas votre commentaire, c'est que des fois, il n'apparaît pas. Alors, des fois, YouTube fait des sélections selon les mots que vous allez mettre. Et j'ai essayé de tous les faire apparaître, mais s'il en manque, je suis désolée. C'est pas que je ne vais pas lire votre message. Alors, Jaya Maya, merci. Annette, Karine, je cherche un air fryer. Alors, il me semble qu'il va y en avoir un là bientôt. Il y a le petit modèle chez Lidl, je crois, pour 2 personnes. Je crois qu'il est dans les prochains arrivages. Alors, je me souviens plus du prix. Marie-Agnès Prums, bonjour Marie-Agnès. Lampe solaire jardin, alors je pense que pareil, c'est pas dans l'arrivage aujourd'hui, mais ça va bientôt arriver, pareil. Momo Aran, 5e, bon dimanche, merci Momo, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu tes messages, tiens. Ah, merci pour l'appareil à boulot, je vais aller à Lidl maintenant pour Soussou. René, merci à vous. Brigitte, coucou Brigitte, merci beaucoup d'être là, je vois souvent tes commentaires. Donc merci Jaya. Rama Rama, salam, moi le deuxième en doré, en tout cas top rapide pour un dimanche matin. Merci à toi Rama. Alors Gisèle, bonjour, je mets presque tout sous vide et je m'en sers très souvent. Mais c'est vrai, hein, franchement, une fois qu'on l'a, quand on voit le résultat que ça fait, que ça donne quand on sort du congélateur, on a envie de le faire. Mais comme je disais, moi, mon souci, je pense qu'il faut que je réduise ma viande. Parce qu'à chaque fois, je mets longtemps. Je vous dis, c'est des ateliers que je fais. C'est pas, je ne mets pas une pièce de viande, j'en mets plusieurs. Cricri, bonjour à toi Razika, c'est marrant, j'étais pas loin d'Alfortville la dernière fois, Gare de Lyon. Oui, effectivement, c'est une station avant. Coucou Nana, coucou Viviane, j'y suis allée ce matin et je confirme, il n'y a pas de pain viennoiserie de dimanche. Alors par contre, j'ai lu ton message hier, mais ça va dépendre des Lidl, je pense. Parce que moi, les Lidl que je fais, tous les matins, il y a de la viennoiserie. Alors il y a certains Lidl, il n'y a pas toutes les viennoiseries, il y a moins de choix. Mais nous, il y a toujours au moins quelques viennoiseries et le pain. Tu as du verglas dans le congélateur, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. Alors oui, oui, mon congélateur est une patinoire. En fait, j'ai du verglas au lieu de quoi ? Au lieu de givre. Ah ben voilà. Des cristaux de glace ou du givre peut-être. Je me moque, tu es fatiguée. Ouais, hier matin, j'étais fatiguée. Bientôt les vacances, oui, dans une semaine. Bisous Viviane. Coucou Fatia. Est-ce que la machine à coudre est bien ? Alors, Nininita, alors c'est une question comme ça, je sais pas, je ne l'ai pas utilisée, mais j'ai des bons retours. Je sais que pas mal me disent et attendent souvent la machine à coudre et pas la machine à coudre, l'autre, là, je sais pas, la surjeteuse. Voilà, je sais que c'est 2 gammes et surtout la marque Silvercrest, parce que des fois il y a d'autres marques. Je sais que j'ai des bons retours. Bonjour Razika, je vais rattraper tes vidéos. Donc Annie, tu es fatiguée, bon dimanche Razika. Merci beaucoup Annie. Bonjour Annie, bonjour Armel, merci, bon dimanche, merci Josiane Lajoie aussi d'être là, très gentil. Bonjour, oui, moi aussi j'attends les boîtes sous vide. Alors les boîtes sous vide, pourquoi ? Parce que j'ai dit que je pense que le jour où il y aura les boîtes sous vide, parce que je vous ai montré hein, sur l'appareil de mise sous vide, il y a les tuyaux, et en fait c'est utilisé avec les boîtes de mise sous vide. Et ce qui est bien avec les boîtes de mise sous vide, c'est qu'il n'y a plus cette histoire de rouleau, de sachet, de mettre en sachet, et je pense que ça va être plus pratique pour moi. Voilà, donc pareil, je les attends avec impatience. Il y en a dans d'autres enseignes, mais elles sont un peu trop chères pour moi. Pour les rideaux, alors pour le défroisseur, c'est bien. Pour les rideaux, les housses de couette et pour les pliures. C'est vrai qu'on met ça au niveau de sa porte. Et puis, c'est vrai que ça doit être plus pratique. Hein. Christelle, coucou Christelle, gros bisous à toi Christelle. Merci d'être là. Coucou, merci beaucoup. Merci Marie-Bonne. Merci Anne Métayer, merci Marocaine en France. Merci Marie-Agnès, je vous adore dans vos commentaires buguiens. voilà. Très souvent je bug, mais c'est pas grave, c'est moi. Mon petit trait personnel. Enaf, Jacqueline, j'espère que tu vas bien. La machine sous vide est géniale, l'entonnoir en inox, cela fait longtemps que je l'ai, sinon beaucoup de choses intéressantes. Oui. Bonjour Pascal. Personnellement, je mets presque tout sous vide. Viande, poisson, fromage, la charcuterie, lorsqu'il m'en reste pour laisser dans le frigo en écrivant la date de consommation et la date de congélation lorsque je congèle, bien sûr. Merci Pascal. Alors, vous voyez, on peut tout mettre en fait, on peut tout congeler et c'est vrai que c'est pas mal aussi parce que des fois il y a des restes, on peut aussi mettre
au réfrigérateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.